Nous voici dans un nouveau tuto pour essayer d'apprivoiser et d'utiliser au mieux tous les outils du module développement de Lightroom. On va commencer par les réglages de base et puis ensuite les tonalités. Donc, si on regarde les réglages de base, dans une photo, il faudra commencer par régler la température de couleur vous estimez qu'elle n'est pas à la bonne valeur. Ensuite, donc la température de couleur, le réglage se fait sur la première partie du panneau, et ensuite vous avez les réglages exposition, contraste et haute lumière, ombre, blanc et noir. Si on regarde les tonalités, exposition, haute lumière, ombre, blanc et noir, ce sont différentes zones en fait de réglage de l'histogramme qui est au-dessus. Alors, je vais vous montrer ça. Si je vais sur la droite de l'histogramme, vous voyez apparaître en dessous, à gauche de l'histogramme, la dénomination blanc. Si je glisse vers la gauche, on passe dans les réglages des hautes lumières et dans le réglage de l'exposition. Et si je continue à glisser vers la gauche, ombre et noir. Donc, vous voyez qu'il est évident que quand vous allez toucher à ces cinq réglages, vous allez toucher différentes zones de tonalité de votre image. Alors, tous ces réglages sont liés et dans certains cas, il faudra revenir en arrière. Alors, ce qui est malgré tout conseillé, c'est de commencer par l'exposition et ensuite de régler les blancs, les noirs et de terminer par les ombres et les hautes lumières. Et dans les réglages de base, on finira par la clarté qui est en fait le micro-contraste et en finale la vibrance et la saturation. Donc, commençons par un exemple un peu concret sur la température de couleur. Alors, je me suis fait des petits dossiers pour le tuto. Dans les collections dynamiques, si je clique sur température, là j'ai une photo qui a été prise dans une église à New York et qui, compte tenu de l'éclairage, est passée sur les tons jaune-orangés. Donc ça ne va pas du tout au niveau de la température de couleur. Alors, si on va dans les réglages de la température de couleur, il y a en fait deux manières de procéder. La première manière, c'est un réglage global que vous avez ici. Là, j'ai le réglage tel quel, donc c'est la photo telle qu'elle est, en fait, telle qu'elle a été prise. Si je clique ici, vous voyez que j'ai la possibilité de demander à Lightroom un réglage automatique, ou bien de choisir le type de lumière que j'avais quand on a pris la photo. Alors c'était en intérieur, c'était un éclairage au tungstène, donc si je clique sur tungstène, bon, vous voyez la dominante orangée disparaît, c'est pas mal du tout. J'aurais pu faire un autre choix qui est le choix automatique, ça nous donne à peu près la même chose. Si je reviens sur tel quel, la teinte jaune réapparaît à nouveau. Donc voilà une première méthode pour le réglage de la température de couleur. Il y a une deuxième méthode qui est d'utiliser le petit sélecteur, donc qui est ici. On va faire un clic gauche sur le sélecteur et on va déplacer la pipette à un endroit de l'image où vous savez pertinemment que vous aviez des tons gris, blanc ou gris. Alors je vais me placer là, et là on va cliquer ici, voilà. Donc là vous voyez, on retrouve un peu le même type de correction qu'on avait sur les corrections type. Dernier petit point, là on a une température de couleur à 2400, vous pouvez aussi rentrer, vous mettre en surbrillance ici, au niveau de la température de couleur, et la régler vous-même. Donc là, je peux augmenter un petit peu.
Voilà. Là, c'est pas mal, hein? 2700. Voilà. Donc, je vais pas en dire plus sur la température de couleur et on va venir appliquer les réglages sur une photo qui est un peu plus parlante, hein. Donc voilà, je me mets dans le panneau réglage. Je vais vous prendre une photo où il y a pas mal de contrastes. On a des zones d'ombre qui sont un peu masquées. Cette photo a été prise dans le parc du Yosemite aux États-Unis. Alors on va commencer par faire un petit réglage de la température de couleur. Je vais cliquer sur la pipette et je vais aller chercher une zone de blanc éclairé pour voilà. Voilà. Et vous voyez, on est à 4700 en température de couleur, on est passé à 4400. C'est un peu mieux à mon goût. Alors après la température de couleur, c'est vraiment une question d'appréciation personnelle, hein. Si vous voulez réchauffer les couleurs, vous vous mettez ici et vous augmentez la température de couleur. On va le faire là. Voilà. Si vous aimez des couleurs un peu plus chaudes, là on est à 5100. Moi personnellement, je reviendrai plutôt dans la zone où on était. On avait 4400, donc je clique sur la zone et je peux taper directement la température de couleur. 4400. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va travailler sur la photo elle-même. L'exposition, est-ce que ça vaut le coup de toucher l'exposition? On va essayer. Faut pas trop y toucher, hein, quand même. Hein. Bon, moi, l'exposition, je reviendrai à la valeur initiale. On va toucher les hautes lumières sur la partie, c'est la partie haute de la photo. Voilà. Voilà. Et je vais surtout éclaircir les ombres pour déboucher un peu ces ombres. Mais peut-être avant, on va aller voir la zone blanc et noir. Donc, pour les blancs et les noirs, il y a un petit truc qui est de se placer en limite de réglage. Vous appuyez sur Alt blanc. Alors, je vais le faire. Bon, j'ai appuyé sur Alt blanc et Alt noir, et vous voyez, vous placez un peu à la limite. Alors, vous avez la possibilité de régler ça différemment, hein, sinon vous pouvez vous les noirs se règlent sur la gauche, donc vous avez la possibilité de régler les noirs ici. Vous voyez que vous déplacez l'histogramme. Ah, vous pouvez aussi les régler là. L'avantage de Lightroom, c'est qu'il y a un tas de possibilités pour les réglages. Alors voilà, on va se placer un peu en limite. Et puis, on va également régler les blancs. On n'a pas de problème au niveau des blancs. Bon, je vais les laisser tels quels. Je vais surtout essayer de déboucher les ombres. Voilà. Vous voyez les ombres. On a du détail qui apparaît au niveau des ombres. Je vais maintenant augmenter le contraste. Tout petit peu. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. On va s'arrêter là pour cette photo et on va donner malgré tout un peu de clarté. Voilà. Bon, le curseur est assez sensible, hein? Je vais pas aller au-dessus de 20. Éventuellement, je vais mettre 20 comme valeur. Voilà. Vibrance, on va regarder ce que ça donne. Alors la différence entre la vibrance et la saturation, c'est que la saturation va être beaucoup plus agressive et va toucher toute la palette de couleurs. Contrairement à la vibrance qui va être beaucoup plus nuancée, on utilise également la vibrance quand il y a des personnes qui sont sur la photo, parce que la vibrance n'altère pas les. Ou altère peu les couleurs de la peau, contrairement à la saturation. Donc là, je vais toucher un petit peu à la vibrance pour voir ce que ça donne. Vous voyez, si je suis un peu trop agressif, là, on passe dans les tons bleus, c'est pas très beau, hein.
Donc bon, là en l'occurrence on va s'arrêter là. Donc voilà. Je vais passer sur une autre photo où je voulais vous faire une petite démo pour l'exposition. Là j'ai une photo qui était complètement surexposée. Elle était prise à Prague, sur le pont Saint-Charles. Et je vais vous montrer, on va aller directement sur le curseur d'exposition, et je vais vous montrer comment on peut corriger une photo complètement surexposée. Voilà, on y va. Voilà. Et vous voyez, on récupère pas tout, hein, mais bon, on a une photo qui est à peu près correcte. Si je clique, je vais au niveau des blancs, là, pour voir les zones écrêtées, je clique là-dessus. Bon, là, on voit pas trop. On va être un peu plus agressif. Voilà. Si on pousse le curseur du blanc, on voit toutes les zones qui sont écrêtées. Voilà, on va laisser le curseur de blanc comme ça. Donc vous voyez, on a corrigé de 1,60. Et on arrive à une exposition à peu près correcte. Ce qui vous montre vraiment la puissance de Lightroom et l'application sur des photos en RAW. C'est-à-dire qu'on peut récupérer, pratiquement, là, on a récupéré deux diaphragmes. Je vais passer sur une dernière photo. Alors, celle-là est prise à San Francisco. Donc, c'est une photo qui est difficile, hein, parce qu'on a toute une partie avec une zone d'ombre et puis une partie très éclairée. Donc, là aussi, je vais pas toucher à la température de couleur, là. J'ai l'impression que c'est correct. On va toucher aux hautes lumières. Voilà. On va déboucher un peu les ombres pour voir ces arbres qui sont très intéressants. Hein. Et puis augmenter un peu le contraste. Et peut-être le micro-contraste, la clarté. Voilà. Ça lui donne un peu de pêche. Hein. Donc voilà, je crois que la démo est assez parlante. Je vais terminer ce tuto en vous parlant de la courbe des tonalités, donc le panneau tonalité. Donc on va ouvrir, voilà. Et je vais passer sur un autre type de photo. Donc je me suis fait un dossier tonalité. Alors ce sont des photos qui ont été prises en Jordanie. On va commencer par celle-là. Donc c'est une photo qui est surexposée. Alors je pourrais aller, si je vais à nouveau dans le panneau réglage, et si je touche à l'exposition, voilà. Alors je peux faire ça. L'exposition nous corrige la tonalité sur l'ensemble de la photo, l'ensemble des tonalités de la photo. Alors que on a la possibilité de là je reviens sur l'histogramme, on a la possibilité de faire ça de manière plus homéopathique en utilisant justement la courbe des tonalités. Alors je vais réinitialiser pour revenir à la photo de départ et je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce panneau de courbe de tonalité. On a quatre réglages, haute lumière, ton clair, ton sombre et ombre. Et quand on passe sur ces réglages, au niveau de la courbe, vous voyez, on a une enveloppe qui se dessine et qui montre les limites de réglage qu'on va avoir. Alors, je peux vous faire une démonstration, hein. On va déplacer le curseur et la courbe va se déplacer. Vous voyez? Voilà. Et là, on ne peut pas aller plus haut. De la même façon, si on va dans l'autre sens, là, on ne peut pas aller plus bas. Alors, bah, je vais quand même corriger un peu, là. Dans ce sens-là, c'est pas mal, hein. On récupère un peu de détails. Alors ensuite, si je vais dans les tons clairs, vous voyez, de la même façon, on voit l'enveloppe avec les limites de correction. Donc là, je vais jouer un peu là-dessus.
Comme ça, je vais m'arrêter là. Je descends, je vais vers les tons sombres. Voilà. Là, on voit qu'on récupère du contraste finalement. La photo est complètement changée. Et les ombres, bah, les ombres, il se passe pas grand chose, hein, donc on va laisser ça comme ça. Bon, maintenant la photo est un peu jaune, hein, donc à mon goût. Donc je vais revenir en arrière et on va aller toucher la température de couleur. Alors je sais pas si voilà, on va. Bon, je vais y aller manuellement. Hein. Non, là, c'était un peu trop brutal là. Voilà, on va aller vers les bleus. C'est pas mal, hein. C'est voilà. Voilà, c'est plus proche de la réalité. On revient sur la courbe des tonalités. Alors, je vous ai montré comment on réglait les tonalités en utilisant les quatre curseurs. Il y a une autre méthode. Je vais réinitialiser la photo, voilà. Il y a une autre méthode qui est d'utiliser cet outil qui va permettre de régler chacun des paramètres en allant directement sur la photo. Je clique dessus et je vais mettre des points de contrôle. Alors je vais mettre ici. Voilà. Et là en fait, je baisse avec ma souris. Il y a une autre technique qui est d'utiliser le pavé avec les flèches du clavier. Alors là, je passe sur les flèches du clavier. J'appuie sur la flèche basse. Et là, j'appuie sur la flèche haute. Voilà. Voilà. Je vais faire un réglage à un autre endroit. On va se mettre sur une zone d'ombre. Voilà. Voilà. On retrouve un peu les mêmes tons que tout à l'heure. Donc là, on s'est positionné d'abord ici, ensuite sur la zone d'ombre. Je vais me mettre ici pour voir. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Je reviens sur la température de couleur. Voilà. Et on va aller un peu vers les bleus, parce que je trouve que la photo est vraiment trop jaune. Voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que finalement, quand on voit comme c'est global, on enlève un peu les jaunes et en même temps, il y a trop de bleu sur l'horizon. Voilà. Bah, écoutez, que puis-je vous dire de plus sur la courbe de tonalité? Vous avez la possibilité, donc vous avez vu, il y a deux types de réglages. Vous pouvez régler en utilisant les outils du panneau, en utilisant l'outil paramétrique. Vous pouvez vous placer également directement sur la courbe. Alors on peut réinitialiser encore un coup. Et là, je vais placer deux points. Je vais mettre, voilà. Si je me place ici, tac, je règle directement sur la courbe. Voilà. On a à peu près le même résultat, mais c'est beaucoup plus difficile de régler directement sur la courbe. Je réinitialise. On a également un outil qui est assez utile. On va passer sur une autre photo. Donc là, je vais. Bon, les hautes lumières, je baisse les hautes lumières. Ce que je vais peut-être faire, c'est carrément baisser l'exposition là, hein, parce que on a vraiment une photo qui est surexposée. Voilà. Comme ça, on voit mieux le bleu du ciel. Et je vais redescendre sur le panneau de tonalité. Je vais aller dans les tons clairs. Voilà. Tons sombres. Voilà. Vous avez un dernier réglage, hein, sur cette courbe de tonalité qui sont
les courbes de contraste. Donc, vous avez des courbes type, contraste moyen, contraste fort. C'est en fait les anciens réglages de Lightroom. Moi, je préfère rester en linéaire et à la limite pour régler le contraste, revenir sur le panneau et mettre du contraste à partir d'ici. Voilà. C'est toujours un peu trop éclairé, donc on va rediminuer l'exposition. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. On a quand même fait un tour assez précis de tous ces outils de réglages généraux, de réglages global hein, au niveau des photos et également des tonalités. Donc à bientôt.